L'idée d'utiliser des signaux pour communiquer des informations remonte à la plus haute antiquité. L'étendard, permettant d'identifier le rang des dignitaires, le panache blanc d'Henri IV, les signaux de feu utilisés par Agamemnon pour annoncer la prise de Troie, ou en Chine sur la Grande Muraille pour donner l'alerte à la vue des envahisseurs, et d'autres moyens visuels ou sonores sont utilisés selon les circonstances. Torches, flambeaux ou salpinks ou simplement la voix. Polybe expose un système alphabétique plus performant issu des travaux de Cléomène et Démocrite. Les Romains établiront des tours à feu le long des côtes et dans les terres, des tours peut-être pour communiquer comme à Saint-Mars-la-Pile. Quoique les témoignages écrits ne manquent pas, il est bien difficile d'avoir la certitude de leur usage réel, mais au moins on comprend que les contemporains les jugeaient plausibles. Tous ces moyens étaient très limités, peu de significations différentes possibles et usages strictement liés à un contexte particulier. Ils tombèrent dans l'oubli. Et si les points hauts seront couverts d'édifices ayant des fonctions de défense et d'observation, la fonction de communication sera réduite à une communication de proximité. Il y a peu d'évolution jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Pour écrire de loin, il faut voir de loin, et le perfectionnement de la lunette qui permettra de voir de loin date du début du XVIIe siècle. En 1684, l'Anglais Robert Hooke propose un système de signaux amovibles et le présente à la Société royale de Londres. Il restera à l'état de projet. En 1690, Guillaume Hamotton propose un système utilisant une lunette. Il réalise une expérience à Versailles sans succès. Découragé, il abandonne le projet qui semble-t-il utiliser des moulins dont les ailes portaient des lettres vues avec la lunette. En 1782, Don Gauthé propose de transmettre des messages en utilisant des tuyaux de fonte frappés avec un marteau. À la même époque, utilisant l'électricité statique dont l'étude connaissait des développements marquants, Georges-Louis Le Sage de Genève imagine un dispositif télégraphique qui, amélioré, connaîtra une longue postérité. Claude Chappe est né le 25 décembre 1763 à Brulon dans la Sarthe. Son père était, à Rouen, directeur général des domaines du roi. Second d'une famille de 10 enfants, il est destiné à la carrière ecclésiastique et devient à moins de 20 ans abbé commendataire, titulaire de 2 bénéfices près de Provins. Il consacre son temps et ses ressources à la physique et en particulier à l'électricité statique. Les privilèges ecclésiastiques ayant été abolis le 4 août 1789, il regagne Brulon, où il retrouve ses 4 frères. Il entreprend avec eux l'étude d'un dispositif pour communiquer à distance, reprenant des travaux d'adolescents. Ce dispositif utilisait 2 pendules synchrones distants de quelques centaines de mètres. Pour indiquer le nombre transmis, ils utilisaient un signal sonore, puis l'électricité statique, sans résultat probant. Il imagine alors d'utiliser 2 tableaux rectangulaires, ayant un côté noir et un côté blanc, pouvant pivoter autour d'un axe vertical. Le passage du noir au blanc, ou du blanc au noir, indiquant le moment de lire sur le cadran le chiffre transmis. Il fallut 15 mois pour mettre au point ce premier dispositif. La démonstration publique eut lieu les 2 et 3 mars 1790, entre le château de Brulon et Parçay, distant de 15 km. Ce fut un plein succès. La réussite de cette démonstration
ne fait pas oublier les faiblesses du système, en particulier l'impossibilité de garder le synchronisme des pendules lorsque le nombre de stations augmente. Il imagine un système proche de celui finalement utilisé. Par deux fois en 1791, Claude Chappe se rend à Paris pour y faire connaître son système. Les deux fois, la foule détruit le matériel qu'il avait entièrement payé de ses deniers. Le 22 mars 1792, il prend la parole devant l'Assemblée et commence son discours en disant « Je viens offrir à l'Assemblée législative, c'est-à-dire à la France, l'hommage d'une découverte que je crois utile à la chose publique. » Il l'a appelé tachygraphe. Le comité d'instruction publique est chargé d'évaluer la découverte, mais les choses traînent en longueur et les machines sont à nouveau détruites par les Parisiens qui les croyaient utilisées pour communiquer avec Louis XVI. Elles sont reconstruites et la Convention désigne le 15 octobre à nouveau le comité de l'instruction publique présidé par Rome pour faire un rapport. Il faudra attendre presque 6 mois pour que Rome, le 1er avril 1793, lise un rapport favorable. Un crédit de 6000 livres est alors attribué pour la réalisation d'une ligne assez longue, comportant 3 stations. Joseph Lacanal, Pierre Donou et Louis Arbogast sont désignés pour suivre l'expérimentation qui a lieu le 12 juillet 1793. C'est un plein succès. Le 26 juillet 1793, Lacanal rend son rapport et conduit à l'adoption du système Chappe. Claude Chappe est nommé ingénieur télégraphe. Ce néologisme, appelé à une nombreuse postérité, avait été proposé par Millot de Mélito, qui côtoyait Claude Chappe au ministère de la Guerre. Le comité de salut public, par un arrêté du 4 août 1793, décide la construction de 2 lignes, Paris-Lille et Paris-Strasbourg-Landau. Il aura fallu 3 ans et demi à l'obstiné Claude Chappe pour démontrer la valeur de son idée et en obtenir la mise en œuvre à grande échelle. En août 1793, la situation politique et militaire de la France est assez critique. Crise financière, guerre en Vendée, guerre à l'extérieur contre la première coalition, invasion du pays. Le pouvoir est exercé par le comité de salut public de 9 puis 12 membres, dominé alors par Robespierre et qui comprend notamment Lazare Carnot, l'organisateur de la victoire. À la suite du rapport de Lacanal, la télégraphie apparaît comme un outil permettant, grâce à sa rapidité, de mieux administrer le pays en guerre. Les frontières du Nord et de l'Est étant les plus menacées et les plus proches de Paris, c'est de Lille et de Landau, au nord de Strasbourg, que devaient partir les 2 premières lignes. Les frères Chappe furent placés à la tête de l'administration des télégraphes, celle-ci étant rattachée au ministère de la Guerre. Pour mener à bien la construction de la ligne du Nord, Claude Chappe fut assisté de ses frères Ignace, Pierre-François et Abraham, ainsi que de Prosper Delaunay et de 2 amis, Brunet et Barcon. Tout était à créer, à mettre au point, sous une contrainte financière forte. Claude Chappe, outre la responsabilité globale du chantier, a pris en charge la conception et la fabrication des mécanismes, laissant à ses collaborateurs la charge de choisir et de construire les 16 stations prévues. Il met aussi au point les méthodes et les consignes d'exploitation, comment on doit transmettre, comment faire correspondre aux mots du langage les signaux disponibles, etc. Les difficultés rencontrées sont nombreuses. L'économie française, tournée vers la guerre, ne produit pas les matériaux nécessaires. Les ouvriers qualifiés manquent, l'argent aussi. La population est méfiante. Mais avec le soutien du comité de salut public, qui lui donne toute latitude d'utiliser les bâtiments existants, par exemple les clochers d'église, pour établir les stations, les travaux vont bon train. Les essais commencent le 30 avril 1794 et la ligne est opérationnelle à la mi-juillet. Les stationnaires avaient eu plusieurs semaines pour s'entraîner. Le 27 juillet 1794 marque la chute de Robespierre et c'est sous la convention thermidorienne que va vraiment commencer l'exploitation de la télégraphie Chappe. Le 15 août, Abraham Chappe, qui a en charge la direction de Lille, transmet la nouvelle de la reprise du Quesnoy. Mais c'est le 30 août qui mérite d'être retenu comme date marquante de l'histoire des communications. Au début de l'après-midi, à l'ouverture de la séance de l'Assemblée, les débats sont houleux. Arrive alors Lazare Carnot, qui tient en main en papier, il déclare «
Citoyens, voici la nouvelle qui nous arrive à l'instant par le télégraphe que vous avez fait établir de Paris à Lille. Condé est restitué à la République. La reddition a eu lieu ce matin à 6h. Le député Gossin prend la parole. Il demande que le nom de Condé soit changé en Nord Libre. Décret rendu. Le député Granet se lève. Nous déclarons que l'armée du Nord a encore une fois bien mérité de la patrie. Les décrets sont transmis par le télégraphe. Avant la fin de la séance, l'Assemblée reçoit un accusé de réception de ces messages. Dans une après-midi, trois messages sont échangés entre Paris et Lille qui eussent nécessité 3 jours par tout autre moyen antérieur. Le 12 Vendémiaire, en 3, le comité de salut public décide la construction de la ligne de l'Est. Passant par Châlons, Metz, Strasbourg, elle devait se terminer à Landau, in der Platz, alors en France. Nouveauté. Le système utilisé devait être différent de celui utilisé sur la ligne du Nord, équipé de 5 bras. Il était attribué à Monge. La façon de conduire le chantier de construction est aussi réorganisée. La ligne est partagée en 4 tronçons, confiés chacun à un gérant qui prend entièrement en charge la localisation et la construction d'une 12 stations. Comme pour la ligne du Nord, tout manquait et surtout l'argent. Les travaux se traînaient à longueur. 1795-1796 se passent, les travaux avancent péniblement. Le point de départ dans Paris était le château des Tuileries, dont les travaux d'aménagement se terminent dans l'été 1796. Le tronçon Strasbourg-Landau est abandonné en août 1797. Les ateliers de Paris qui fabriquaient les appareils ferment. La situation va évoluer fin 1797. Les victoires de Napoléon lors de la première campagne d'Italie améliorent la situation financière et, à la suite du traité de Campo Formio, le 18 octobre 1797, un congrès doit se réunir à Rastatt, à 70 kilomètres au nord-est de Strasbourg. Le directoire, désirant suivre les négociations, ordonne le 17 novembre la construction de la ligne de l'Est. Le système Monge est abandonné et les stations doivent être construites au maximum en matériel ambulant. La ligne ne devant pas durer. Le congrès dura du 10 septembre 1797 jusqu'en avril 1799 et verra l'assassinat de 2 plénipotentiaires français. À Strasbourg, le télégraphe est installé sur la cathédrale. Auparavant, début 1795, la Convention souhaite la construction d'une ramification entre Lille et Dunkerque qui serait prolongée jusqu'à Ostende. Les difficultés financières constantes obligent à différer les travaux jusqu'en 1797. La ramification fonctionnera d'avril 1798 à février 1801. La partie Dunkerque-Ostende, quoique ayant été étudiée par Claude Chappe, ne sera jamais construite. Le 11 août 1794, décision est prise de construire une ligne Paris-Brest passant par Caen. Curieusement, ce n'est pas le système Chappe qui est choisi pour équiper cette ligne, mais un système de fanion permettant de transmettre 64 informations préétablies. C'est un échec et la ligne est abandonnée. C'est en mars 1797 qu'est prise la décision de construire la ligne de l'Ouest par la route la plus courte et en matériel Chappe. Elle comportait 55 postes et fonctionnait en avril 1799. Le directoire, soucieux d'assurer de rapides communications avec les républiques sœurs cisalpines, liguriennes et romaines, décide la construction d'une ligne vers l'Italie passant par Lyon et aboutissant à Turin. L'ordre d'étude est donné à Claude Chappe le 29 Nivose en 7, le 18 janvier 1799. Sa construction commence péniblement. Les militaires demandent la construction d'une ramification de 120 km entre Strasbourg et Huningue, près de Bâle. Elle fonctionne en août 1799. Lorsqu'à la suite du coup d'État du 18 Brumaire, le directoire fait place au consulat, 3 lignes télégraphiques fonctionnent et une 4e est en construction. Napoléon Ier consul réorganise l'administration. Par arrêté du 28 Brumaire en 9, 19 novembre 1800,
les lignes télégraphiques sont placées sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur, division des ponts et chaussées. Chaptal était ministre de l'Intérieur. À cette date, les sommes non payées, tant en salaire qu'en travaux et fournitures, se montaient à 494 364 francs. De trois niveaux en neuf, le premier consul décide d'apurer la dette sur 10 ans et de diviser par 3 le budget du télégraphe en le ramenant à 150 000 francs. En conséquence, la construction de la ligne de Lyon est arrêtée. Le personnel des autres lignes réduit, les salaires réduits. Claude Chappe s'ingénie à trouver d'autres sources de revenus. Il propose d'ouvrir la télégraphie pour transmettre des informations relatives aux affaires d'industrie, de commerce et de banque, de transmettre un journal, de l'ouvrir aux opérations de la loterie nationale. De ces 5 propositions, seule la 5e reçut plus tard une application. L'embranchement de Huningue est fermé le 24 décembre 1800. Et pourtant, malgré tous ces déboires, la construction d'un embranchement est décidée entre Vic et Lunéville. À la suite de la bataille de Marengo, un congrès se réunit à Lunéville pour négocier la paix, paix qui est signée le 9 février 1801. Pour suivre les négociations, Bonaparte fait réaliser cet embranchement provisoire entre Vic et Lunéville. Il fonctionne de novembre 1800 jusqu'à mars 1801. Malgré les expédients utilisés, la situation financière conduit Bonaparte à ordonner en septembre 1802 la fermeture des lignes de Lille et de Strasbourg. Seule reste en fonctionnement la ligne de Brest à la demande de la marine. L'avenir de la télégraphie optique est sombre. Finalement, c'est grâce à la loterie nationale que le réseau va être sauvé, et même étendu, puisque la ligne du Nord va être prolongée jusqu'à Bruxelles. Mise en service le 15 mai 1802, la ligne de Lille ayant été ouverte le 18 janvier, la ligne de Strasbourg fonctionne le 1er juillet. En août 1803, un embranchement est créé de Lille à Boulogne par Saint-Omer. Napoléon rassemble la grande armée à Boulogne en vue d'une invasion de l'Angleterre. Il demande aux frères Chappe de mettre au point un télégraphe capable de transmettre des messages par-dessus la Manche. C'est Abraham qui fait le projet. Celui-ci, prévu pour fonctionner la nuit, est testé sur terre, 40 km selon certaines sources. On sait que l'histoire, le 21 octobre 1805, n'en a pas permis la mise en œuvre. Fin 1805, l'empereur Napoléon, qui a été couronné le 2 décembre 1804, doit faire face à la troisième coalition. Il décide d'achever la ligne de Lyon et de la prolonger jusqu'à Turin, mise en service le 24 janvier 1807. La ligne est prolongée de Turin jusqu'à Milan. Les travaux sont achevés le 30 septembre. Le 16 mars 1809, ordre est donné de mettre en service sans délai la ligne Paris-Milan. Ce sera fait le 15 avril. 1810 voit le prolongement de la ligne du Nord jusqu'à Anvers, puis Flessingue, et enfin Amsterdam le 24 avril 1811. Le 15 juillet, la ligne Milan atteint Venise. En mars 1813, décision de créer un embranchement Metz-Mayence, mise en service le 29 mai. Le réseau de télégraphie optique a alors son extension maximum. À la fin de l'Empire, le réseau réintègre les limites du territoire national. L'invasion de la France s'accompagne d'attaques et de destructions de stations et de l'interruption de lignes, en particulier celles de Strasbourg et de Lille. Mais la situation est vite rétablie. Dès le 21 juillet, la ramification Lille-Boulogne est rouverte. La ligne de Strasbourg fonctionne par tronçon entre le 19 août et le 20 septembre. La ligne de Lyon le 15 septembre 1815. Les affaires avec l'Angleterre reprennent, ce qui provoque la suppression de l'embranchement Saint-Omer-Boulogne et la construction d'un embranchement Saint-Omer-Calais qui entre en service le 14 août 1816. En 1818, les frères Chappe proposent au gouvernement l'extension du réseau par
un prolongement de la ligne de Lyon jusqu'à Toulon, la construction d'une ligne vers Bordeaux, la création d'un embranchement Saint-Malo-Cherbourg. Ces propositions ne sont pas retenues dans l'immédiat. En 1820, Ferdinand VII, roi d'Espagne, fait face à un pronunciamento. Louis XVIII veut suivre la situation avant d'intervenir. Il veut faire construire une ligne Paris-Bayonne par Bordeaux. Dans un premier temps, cette ligne n'est pas confiée au frère Chappe, mais au contre-amiral Yves Le Coat de Saint-Ouen. Celui-ci propose de construire un télégraphe pouvant fonctionner de jour et de nuit. Il était composé d'un mât d'environ 10 mètres de haut, placé au-dessus de la maison des stationnaires. En haut de ce mât, une vergue longue de 6 mètres soutient trois globes de 2 mètres de diamètre peints en noir. Les trois globes donnent les unités, la dizaine et les centaines du nombre transmis suivant leur hauteur. Un quatrième globe, horizontal, indique les milliers. Pour le fonctionnement de nuit, des lanternes remplacent les globes. Et pendant ce temps, le 23 juin 1821, Louis XVIII ordonne le prolongement de la ligne de Lyon jusque Toulon. Elle est mise en service le 14 décembre. En 1822, on expérimente le système Saint-Ouen. 12 stations sont construites entre Paris et Orléans. Le 17 août, essai de la ligne. Échec. Et dès le 25 septembre, les frères Chappe sont chargés de construire la ligne, qui est mise en service le 8 avril 1823, deux jours après l'entrée des troupes françaises en Espagne. De 1826 à 1829, les frères Chappe reproposent des projets d'extension du réseau qui ne sont toujours pas acceptés. Après la révolution de 1830, René Chappe est destitué, remplacé par son frère Abraham, puis par le député Pierre-François Marchal, et enfin, en 1831, par Alphonse Foy, qui restera en fonction d'une façon presque continue jusqu'en 1854. En 1831, décision de créer une ligne transversale Bordeaux-Avignon. Ce sont les besoins de communication avec le corps expéditionnaire en Algérie qui la justifient. La ligne de Lyon est saturée, mais la ligne de Bayonne est sous-utilisée depuis la fin de l'exposition en Espagne. Cette ligne, dite du sud-ouest, permet une désaturation et une diversification d'itinéraires entre Paris et Marseille. Elle est en service début mars 1832. En 1831, les nouveaux administrateurs se penchent aussi sur le développement du réseau et proposent de nouveaux projets. Ils seront en partie réalisés dans les années qui suivent. En 1832, la duchesse de Berry lance un soulèvement contre Louis-Philippe en faveur de son fils, le duc de Bordeaux, petit-fils de Charles X. Elle est arrêtée à Nantes le 7 novembre 1832 et est incarcérée dans la forteresse de Blaye. Un embranchement Bordeaux-Blaye est alors construit qui permet d'échanger avec elle. La décision de construire deux embranchements vers Rennes et Nantes et vers Cherbourg est prise en 1832. Nantes fonctionne le 21 janvier 1833, Cherbourg en février 1835. Les années 1840 à 1846 voient l'apogée de la télégraphie Chappe et l'amorce de son déclin. On construit de nouveaux embranchements, Calais-Boulogne, Dijon-Besançon, Narbonne-Perpignan. On expérimente un nouveau dispositif mis au point par Gabriel Flocon. Il permet de diviser par deux le temps de transmission d'un message. On est sur la voie de la transmission nocturne. Enfin, en 1846, la ligne de Bologne est prolongée jusqu'à Béobie, à la frontière de l'Espagne. On y reviendra. Louis-Philippe décide la construction de la chapelle royale de la famille d'Orléans à Dreux. Les travaux d'agrandissement de la chapelle primitive durent du printemps 1839 à avril 1844. Désireux de suivre les travaux, le roi fait établir à Dreux une direction temporaire qui lui permet de rester en contact avec Paris lors de ses séjours entre 1842 et 1844. 1844 sera l'année de la rupture. L'administration des lignes télégraphiques propose la construction de deux lignes, Paris-Rouen-Le Havre et Metz-Lille-Rouen-Caen-Avranches. Cette proposition provoque à l'Assemblée nationale une réaction violente. Adversaires et tenants de la télégraphie Chappe s'affrontent. On finit par désigner une commission qui propose d'expérimenter la télégraphie électrique entre Paris et Rouen. La proposition est adoptée. La ligne expérimentale Paris-Rouen, en essai depuis le 11 mai 1845, est un plein succès. Alphonse Foy avait compris que la télégraphie Chappe n'avait plus d'avenir. Il fut soucieux du devenir de ses agents. Aussi, il demanda à Breguet de mettre au point un télégraphe électrique dont le fonctionnement s'inspirait des mouvements du système Chappe.
c'est le télégraphe Foy-Breguet, qui sera essayé concurremment avec l'appareil à deux aiguilles de Wheaton. Les débuts de la télégraphie électrique, en dehors des lignes nécessaires à l'exploitation du chemin de fer naissant, furent laborieux et perturbés par la révolution de 1848. Pourtant, dès juillet 1846, une seconde ligne, la ligne Paris-Lille, est financée. Et en 1847, la ligne Chappe-Paris-Lille est désaffectée après 53 ans de service. Il faut attendre février 1850 pour voir un financement de nouvelles lignes. Les stations Chappe sont abandonnées au fur et à mesure de l'avancement des lignes de télégraphie électrique. Et les messages qui sont encore uniquement gouvernementaux partent de Paris en électrique et arrivent en Chappe à Bordeaux. Le 29 novembre 1850 est publiée la loi sur la correspondance télégraphique privée. Le télégraphe cesse d'être exclusivement au service du gouvernement. Le 5 janvier 1852, publication de la loi qui ouvre un crédit pour l'établissement de nouvelles lignes de télégraphie électrique. 4 832 987 francs sur les budgets 1852, 1853, 1854. Les lignes Chappe cessent de fonctionner les unes après les autres et en 1856, il n'y a plus de télégraphie Chappe en fonctionnement en France métropolitaine. En 1853, c'est l'expédition de Crimée. Henri de Vougy, directeur des lignes télégraphiques, est sollicité par l'armée. Il envoie, pour accompagner le corps expéditionnaire, du matériel électrique et un matériel Chappe mobile allégé spécialement conçu pour l'occasion. Son régulateur ne possède qu'une seule position horizontale. Une liaison Chappe temporaire sera construite entre Varna et Balchik, le port d'embarquement de l'infanterie. On établira une autre liaison électrique de Paris jusqu'à Varna, avec construction d'une ligne entre Bucarest et Varna. Un câble sous-marin anglais est posé entre Varna et la Crimée, à Balaklava. Il sera prolongé ensuite de Balaklava à Eupatoria. En Crimée, on utilise des liaisons électriques fixes et des liaisons Chappe provisoires en accompagnement des troupes. Vers 1840-1841 est repris en Algérie un réseau Chappe initialisé en 1832. Il atteindra 1650 km de ligne et fonctionnera jusqu'en 1860. À cette date, s'en sera vraiment fini de la télégraphie Chappe. La solution technique proposée par Claude Chappe n'a pas été la seule. Outre des projets prématurés utilisant l'électricité statique, d'autres systèmes furent proposés. On a déjà cité ceux de Monge et de Saint-Ouen. Mais il y en eut d'autres, comme celui proposé par un ingénieur espagnol, Augustin Betancourt, qui, associé à Abraham Breguet, conçut un système proche de celui de Claude Chappe. Et surtout, n'oublions pas les sémaphores de la marine qui, de 1807 à 1814, assurent la surveillance des côtes du Premier Empire. La télégraphie devient monopole d'État en 1837, le 2 mai. Rien n'interdisait donc en droit jusqu'à cette date la construction et l'exploitation d'un réseau télégraphique par un investisseur privé. Il y eut cependant peu d'acteurs qui en France tentèrent l'aventure. Celui qui réalisa effectivement des lignes est Alexandre Ferrier. Ayant l'ambition de relier les principales villes françaises à Paris, il crée une société pour financer et réaliser les travaux suivant un système fonctionnant de jour et de nuit dont il a déposé le brevet le 8 avril 1833. Il construit une première ligne de Paris à Rouen, qu'il voudra prolonger jusqu'au Havre. Elle fonctionne dans le courant de juillet 1833 et le journal de Rouen du 12 octobre de la même année publie une publicité donnant ses coûts d'utilisation. Mais elle ferme ensuite, par manque d'utilisateurs et aussi sous l'action des autorités administratives qui l'entravent au maximum. À l'automne 1836, s'ouvre une ligne privée Paris-Bruxelles. Elle cesse de fonctionner à la fin de l'année. On relève aussi des lignes clandestines entre Paris et Lyon ou entre Angoulême et Bordeaux, utilisant des moulins. On a aussi le cas de stationnaires qui, soudoyés, transmettaient des messages non officiels entre Paris et Bordeaux. Toutes ces tentatives n'avaient qu'un but, la transmission des cours de la bourse de Paris pour pouvoir spéculer à coup sûr dans les autres bourses.
Devant la réussite de la télégraphie Chappe, d'autres pays vont se lancer dans l'aventure et dès 1796 en Angleterre, George Murray construit pour l'Amirauté une ligne optique entre Londres et Deal. D'autres pays suivront, la Suède, la Prusse, plus tard l'Égypte, la Russie, l'Espagne, liste non exhaustive. Un collaborateur d'Abraham Chappe, destitué en même temps que lui, Pierre-Jacques Chateau, établit en Russie des lignes équipées d'un système de son invention dérivé du Chappe. L'une, de Saint-Pétersbourg à Kronstadt, de 8 stations, est mise en service fin février 1834. Une autre, de 300 lieues et 148 stations, entre Saint-Pétersbourg et Varsovie, mise en service fin mars 1838. C'est l'empereur Nicolas Ier lui-même qui transmit le premier message vers Varsovie. L'ingénieur espagnol Augustin Bettencourt, cité plus haut, avait étudié avec Breguet un télégraphe optique. Il devait être expérimenté entre Madrid et Cadix, mais la ligne ne sera pas terminée. D'autres inventeurs espagnols proposeront des systèmes, jusqu'à celui de José María Maté, qui sera effectivement mis en œuvre. Il utilise un palo coulissant entre deux montants verticaux. 10 positions particulières indiquent les chiffres de 0 à 9. Des panneaux fixes aidaient à distinguer les positions. Une sphère se déplaçant aussi verticalement donnait les indications de service. Le dictionnaire possédait 9999 entrées. C'est en août 1843 qu'est prise la décision de créer un réseau reliant toutes les capitales de province et les principaux points des côtes et des frontières avec la capitale du royaume. En particulier, une ligne Madrid-Irun qui servira dès octobre 1846 à transmettre des messages vers Paris, messages acheminés depuis Béobie, ville voisine d'Irun, via la ligne Chappe-Paris-Bordeaux-Bayonne, qui avait été prolongée pour cela jusque Béobie. L'interconnexion fonctionnera de manière intermittente jusque 1850. Le télégraphe Maté fonctionnera au moins jusque 1857. Nous venons de survoler plus de 60 ans de communication moderne. La carte à l'écran donne toutes les lignes qui ont été construites tout au long de cette période. Elles n'ont pas toutes fonctionné simultanément. Certaines n'ont été utilisées que quelques mois, d'autres plus de 50 ans. On a pu voir que la télégraphie optique à usage essentiellement militaire et à usage marginalement administratif et diplomatique à ses débuts est devenue au fur et à mesure de son développement d'usage marginalement militaire et majoritairement administratif et diplomatique. Aujourd'hui, la télégraphie Chappe suscite de l'intérêt et grâce à l'action de la FNAR, les études la concernant se développent activement.